السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Je vais compléter les vidéos de Sabat, معلومات إضافية باش نكمل كيفية إقامة الصلاة. بون المهم، حنا في الفيديو اللي فات حبسنا في قصة قيس وليلى، حبه المجنون ليلى كان مجنون بحبيبته ليلى، فذهب إليها وما شافش هذوك الناس يصلوا ويذكرون الله. سبحان الله، صايب قصة حكيتها. بون المهم، حنا قلنا في الصلاة، تكون واقف بهذه الكيفية، دوبو افيك سيت فاصون لا، إي كو تو سوا دوا، et que tu es concentré devant et tu mets ton cœur et ton âme sur l'amour et l'adoration d'Allah. La salat, elle t'approche de ton Créateur. Si tu veux approcher ton Créateur pour demander et pour être reconnaissant de tout ce qu'il t'a donné depuis que tu es né jusqu'à ton dernier jour et peut-être au-delà de rentrer au paradis. Donc, il y a quelque chose qui va t'aider à te concentrer. Tu es là, on a dit qu'il faut se tenir droit, et la tête, il faut la tenir droit. Donc, il y a quelque chose que tu vas rajouter, que moi j'ai appris, que je veux partager, et même moi, des fois, je suis dedans, mais vraiment dedans, et ça m'aide beaucoup. Si tu arrives à imaginer que Allah, il est devant toi, et sur ta droite, il y a le paradis, machallah. Et sur ta gauche, il y a l'enfer. Et derrière toi, il y a l'ange de la mort qui attend l'ordre de te prendre tout de suite. Alors, le plus heureux, celui qui, l'ange de la mort, il le prendra. Fais-le aujourd'hui, au revoir. T'arrives à imaginer ça? Déjà là. On a dit, tu fais la prière dans un coin où tu ne peux pas avoir beaucoup de passages à la maison. Et on a parlé pour se tenir droit à la mosquée. Maintenant, les obligations, c'est Al-Qabla, la direction à la Mecque. Et Allahu Akbar, ça c'est une obligation aussi, on dit Allahu Akbar. Mais il y a une chose qui est majestueuse, Haja Rav'a. Allahu Akbar. Quand tu fais Allahu Akbar, toute ta maison, tes enfants, ta femme, ton frère et tout, quand ils entendent ça, Allahu Akbar, chut, il ne faut pas rentrer. Il fait la prière. Ils savent déjà que tu fais la prière. Allahu Akbar. Ils savent. Même celui qui rentre, il ne t'a pas vu, que tu as fait un wudu et tu es parti faire la prière, rien que s'approcher des Allahu Akbar, il fait la prière, ils ne vont pas passer. Ça te protège. Le nom d'Allah, c'est une protection. Ya Allah. Bon, maintenant tu es comme ça. On a parlé du portable, on a parlé de tout. On est droit et on est prêt à faire la prière. La main, donc cette position, Allahu Akbar. La position des mains maintenant. Plusieurs madahib, les gens de Medina, ils veulent qu'ils disent haka, qu'ils disent le qalb, les amis, pour les asar, qu'ils disent hna, ou qu'ils disent tahat salah. Bon, il n'y a pas une obligation, mon frère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, non. Bessah celle-là, elle n'est pas rejetée. Et en dessous, elle n'est pas rejetée. Et là, elle n'est pas rejetée, mon frère. Tout est accepté. L'idée fondamentale de la prière, c'est la concentration de ton cœur et de ton âme à l'adoration d'Allah. Bien sûr, mis à part cela, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas ça. Donc on est là, on est là, on est là et on est là. Tu fais la prière. Après, il y a la citation. Alhamdulillah, il y a une façon de lire, mon frère. Toi qui lis,
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ça c'est trop rapide. Tu es en train de dire autrement à Allah, voilà, tu m'as demandé une obligation, je vais la faire, mais je vais la faire comme un éclair. Je vais t'adorer, mais en millième de seconde, parce que j'ai des trucs qui m'attendent dehors, j'ai des rendez-vous, j'ai mon boulot. Ah, quand tu pars voir ton patron, tu es là. Rendez-vous à 8h, tu sors à 6h pour être à l'heure, et tu attends 15 minutes pour qu'il vienne te recevoir. Mais Allah, j'ai déjà de l'eau, tu lis trop vite. Là, mon frère, si tu veux la concentration et l'amour d'Allah et t'approche d'Allah, lis doucement. Allah, yuhibbul mutqinin. Allah, il aime quand tu fais quelque chose, tu fais à la perfection. Prends ton temps et apprécie cet amour d'Allah, jalla jalala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawm al-Din. Vous voyez là, c'est les mots à sort en prononciation correcte, et tu dis correctement, et tu apprécies l'ayah. L'ayah, elle rentre dans tes entrailles. Subhanallah. Après Alhamdulillah Rabbil Alameen, on choisit Surah, la plus simple pour les gens qui débutent. Bien sûr, ces vidéos, c'est uniquement pour les gens qui débutent, mais les gens qui ont, Masha'Allah, plus de science sur le savat, moi je ramènerai, ils connaissent plus que moi. Alors moi j'essaie juste pour les gens, les vieux, les gens qui parlent, qui comprennent pas l'arabe, j'essaie, ou les gens qui n'ont jamais fait leur prière, comme un ami que j'ai croisé aujourd'hui qui s'appelle Abdelmajid. Je sais que tu es en train de me voir, Abdelmajid. Approche-toi d'Allah. Abdelmajid, celui-là, il est trop bon. Il m'a dit, il ne manque que de la prière. Voilà l'occasion, Majid. Donc, on a dit, après, Alhamdulillah, tu fais, Surah, Sahira, le Mata'araf, je te dis, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Laïd, wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuan Ahad, Bada Abdelmajid, je te dis. Donc, Alhamdulillah, soit ça. Après, tu fais Ar-Rukou'. Donc, quand tu descends, tes mains, c'est au niveau du genou, tu le tiens ici. Bon, il y a des gens qui font ça, ils font ça, c'est pas des interdits. Tu te tiens la tête droite, et de préférence le dos droit. Et des gens, ils sont pas pareils, il y a des obèses, il y a des minces et tout. Il y a des gens qui ont la possibilité de se tenir droit, et les autres comme ça. Tu peux flécher un petit peu tes jambes pour être droit comme ça, c'est pas interdit. Donc, Subhanallah Rabbil Adim, Subhanallah Rabbil Adim, Subhanallah Rabbil Adim, trois fois. Tu te lèves, Sami Allah li Muhammad, Rabbana wa lakal hamd. Tu descends, le sujoud. Alors, sujoud, tu as sept appuis. La tête, deux mains, là, le genou et les pieds. Donc, je vais descendre. Là, on était comme ça. On descend. Là, on va descendre. Et caméraman, il va vous montrer la position de mes pieds derrière. Le nez va toucher le sol. Donc, mes mains, là, pas là, là. Et bien sûr, au niveau des oreilles. Regardez les pieds derrière. Voilà, c'est pas comme ça, c'est juste comme ça. Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la. Donc là, on est descendu. الناس يجود ثلاث مرات سبحان ربي على وفي الركوع سبحان ربي العظيم ويا دي جون كي زون لا بون برونونساسيون دو لا لونغ ليتيرير يا دي جون يو زون لور ديالكت يدي سبحان ربي على سبحان ربي على سبحان ربي على ماشي مكروه راه الله جل جلاله هو خلق هذا اللغه ديالها يعني. المهم تقعد في سبحان ربي على سبحان ربي العظيم بون سا كنت انا فيني سا سي تنعد ركعه واحده. Maintenant, si tu te lèves et tu dois te lever,
وتعاود نفس الشيء وتعاود تولد لتحت et tu descends encore. En bas, tu refais la même chose. Tu es là, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et tu viens ici et tu fais. Alors ça, mes frères, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font. Alors, celui-là, il est devant Qabla. Celui-là, il est tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah, salawatullah. Salam alayka ayyuha nabi rahmatullah. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم لا on a fait ركعتين 1 2 et on vient ici on fait tahiyya. Tahiyya, mon frère, que tu tiens comme ça ou tu tiens comme ça, il n'y a pas de gêne. Que tu fasses ça, il n'y a pas de gêne, mais surtout ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait que ça. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça ou de faire ça, essaie de faire ça et le faire le minimum de gestes avec ton doigt et bien sûr la direction de le Kaaba. Et là, on va continuer. Salam alaikum.